hey girl. Oh. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Alors, je mets un peu de rire parce que là, on va pas rigoler du tout maintenant. Regardez le titre. Ancient Origin of the Werewolf Vampire Wars. Robert Sepper. Alors, origines anciennes de la guerre entre les vampires et les loups-garous. Hey. Non, non, mais je croyez pas que ça ne sorte que de l'imagination de l'auteur aux appartenances à des clubs certains particuliers. Non, d'autant plus que, regardez ici, là, chez Mysterious Middle East, qui fait un certain travail bien chadé, on a. Writing from the regional capital of Qatar. Alors que c'est sous-titré, hein, c'est très bien. Hein. Des fois que son accent soit gênant, en anglais. Sumerian Vampires and Mauritanian and Ethiopian Demonology, dans laquelle sont assez souvent fait mention de références à des écrits. Par exemple, un capitaine français de l'armée à l'époque qui décrivait effectivement des zones dans lesquelles il y avait un problème de d'évaporation sanguine subtile et des gens complètement faméliques, épuisés, vous savez. Hein. Il est faux, j'arrive comme ça, je vous dis « Salut, bonjour ». Voilà, genre. Pardon. On va reprendre. Et on va donc voir ça avec Robert Sepher sur sa page. C'est un anthropologue, vous savez, qui a beaucoup de problèmes avec l'académie. Beaucoup de problèmes. Je ne sais pas s'il est très reconnu par l'Académie. Je vous suggère de visiter ses chaînes aux vidéos très colorées. Vous avez d'ailleurs justement là en suggestion quelques titres. Ah, et ça c'est Joseph P. Farrell. C'est bien aussi. Lui, il fait des études économiques, bah, entre autres. Mais avec parfois des spéculations. Hello everybody, this is Joseph P. Farrell. Farrell with news and views from the Nefarium on Thursday, December. Alors, Nefarium, c'est parce que il y a un petit clin d'œil au Nephilim. Il estime qu'on est dans un monde de théâtre dirigé par des entités qui, je pense, oui. Il est calé en politique générale, en histoire. Il a un diplôme en histoire de la religion. Il est compositeur à l'orgue, écrivain. Il connaît sur le bout des doigts le fonctionnement des finances durant la période nazie. Il a écrit pas mal de bouquins à ce propos. Que ce soit sur la cloche ou... oui, on y va. Et il ne croit pas vraiment que les nazis avaient des soucoupes volantes. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on a un petit point de désaccord. Non, pour lui, c'est essentiellement de la propagande néo-nazie. Il a un problème avec ce côté-là de la chose. Et je ne dis pas qu'il est toujours tort. Mais il fait référence, ce qui est sympa, à M. Terzinski. Oh là là, Terzinski, qui a beaucoup aussi cherché, et dont les écrits sont rares, finalement, aujourd'hui. Bon, c'est des heures et des heures hein, de vidéos, Terzinski. C'est des vidéos de deux heures et demie, et c'était très bien à l'époque où je regardais ça. Ça m'avait passionné.
C'est le genre de cas où vous essayez de traduire celle qu'il a faite en russe, quoi. Bon, ce que je n'ai pas réussi à faire. Non, en russe, je connais 5 mots. Dont vodka, Nazarov, Tovarich, Pepilnik, et c'est possible. Bon. Et Pepilnik. Ouais, un truc comme ça. Pepilnik. Ça veut dire cendrier. Hasard. Hasard. Bon, on reprend. Je connais aussi Cucurusa. Ça, je crois que ça veut dire, je ne sais plus, citrouille. Et smitane. Ça, c'est la crème maigre. Pour le borch. Ah, ben, j'en connais plein, des mots. Ouais, vraiment. Oh, ben, écoutez, on est samedi matin. Il est 1h30. En fait, il est 13h49. Je m'étouffe et c'est la faute à mon secrétaire qui m'empêche de me bouger. Voilà, donc je fume trop statique. Vous en foutez ? Bah oui, évidemment. Alors, c'est quoi ces vampires ? Quand même. On peut pas en mettre de trop, hein, je pense. Bah oui, version hawaïenne. Ukulélé. Et oui, c'est une vidéo sur le nourrissage des canards. I'm in the park again. Bon, il est dans un parc. Pour des raisons diverses, il commence toutes ses vidéos comme ça. Et je pense que c'est lui qui joue de la guitare derrière. Donc, il accompagne plein de trucs. Parce que, raison de droit d'auteur constamment, là. Vous savez, quand on dit des choses qui ne sont pas orthodoxes officiellement, hein, parce qu'ils ont une orthodoxie, les officiels, l'académie, qui n'est pas droite, qui n'est pas claire. Ce n'est pas le sujet. Ah, l'OMS a admis que les masques étaient inutiles et que les tests n'étaient pas efficaces. Donc voilà, les gens qui arrivent dans une file d'attente avec des masques pour aller se faire tester pour Noël, pour savoir, on ne sait jamais, alors qu'on est le 19, pendant une semaine, je ne sais pas où ils vont la passer, dans une éprouvette stérile ou un truc dans le genre. Je crois que, ils ont été irradiés. Des vaccins, ils n'en ont plus besoin, ils ont leur quota. Il n'y a plus un neurone qui se touche là-haut. Et normalement, les fils, ça se touche. Normalement, ça se touche dans notre cerveau. Quand ça ne se touche pas, il ne se passe rien. Hein, il y a une expression à revoir là, quand on dit « mais il a les fils qui se touchent ». Non, après, il peut péter un plomb. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Je ne vous le souhaite pas. Il y a tellement d'aluminium, mettre du plomb en plus… Ah, ça dépend chez qui, quoi. Reprenons. Il fait quand même remarquer que les canards, là, enfin les poules d'eau, je pense que ce sont des poules d'eau, ne respectent pas la distanciation sociale. C'est n'importe quoi. Non, il est normal, quoi, ce gars, je veux dire. Donc, il a de l'humour aussi. En fait, comme il est très peiné par les distanciations sociales qu'il faut respecter là-bas, hein, ouais, ça viendra petit à petit, l'évolution. Là. Ouais, c'est-à-dire la mise à jour des news par des vrais médias. Mais bon, il dit de voir les animaux comme ça, ça lui fait du bien. And while they're often portrayed in a positive light,
They're sometimes used to symbolize monsters. Et les animaux sont décrits, inclus dans l'histoire humaine depuis très longtemps. Or invasive threats, depending on one's culture. Et même si des fois on les considérait sous leur côté invasif ou dangereux. Cultural perspective. In folklore, ils font partie de la perspective culturelle, je crois qu'il a dit ça. Donc dans le folklore, werewolf was a term which usually referred to a human with the ability to shapeshift into a wolf. Un werewolf, un loup-garou, c'était donc un humain qui avait la capacité de shape-shifter en loup. Shape en anglais, c'est la forme. Shift, c'est la glissade, la bascule, non. Oui, la bascule quand c'est pole shift, mais oui. En anglais, les verbes décrivent l'action. Oui, en français aussi. En français aussi. Mais, je sais pas, la bascule d'épaule, c'est pas comme l'idée de. C'est différent. C'est plus l'idée du mouvement, ils décrivent la position suivante. Bon, c'est pas grave. Ah, vous voyez, dans ma tête, hein, il y a des fois, on n'est pas tout seul. Il y a l'étymologiste qui a un mot à dire, et puis après, il y a le poète qui passe, qui dit « Ouais, mais ça sonne comment, ton histoire ?» Il y a l'affreux de la classe qui ouvre tout le temps sa gueule en cours de langue. Ça aide, ouais, après on parle. J'ai mes collègues, ils étaient bien meilleurs que moi. À l'écrit, imbattable. Mais on ne les entendait jamais. Je ne sais pas s'ils parlent encore l'anglais. Ils savent peut-être le lire, remarquez. Ah, en France, il y a un truc comme ça. On a du mal à s'exprimer. Enfin bon, à mon époque. Hein. C'était au siècle dernier. Ouf, que dis-je ? Au millénaire dernier. Ah, je ne vous explique pas. Le time shift. On les connaît bien dans les films avec cette capacité qu'ils exercent, notamment en pleine lune, en période de pleine lune, après avoir été en général mordus par un autre loup-garou. On en trouve plein dans le folklore européen, où il a fini par parvenir. Et donc, en quart, vous voyez que, d'après l'introduction que je vous ai faite, Sumerian Vampire et tout ça, on se rappelle que ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une histoire à cette époque-là aussi en Europe. Hein. Une histoire, une civilisation, une autre, hein, dont on n'entend pas beaucoup parler. Parce qu'on est branché sumer. Parce que chez nous, on était censé être les huttes et chasseurs-cueilleurs, je suppose. Quoi. C'est post-Atlantis, mais après, pas antédiluvien. Ce n'est pas encore de l'histoire, il n'y a pas d'écriture. C'est des termes, on commence à parler d'histoire ou de préhistoire en fonction du moment où l'écriture a été inventée, soi-disant. Donc, alors qu'elle a été enseignée. On retrouve les mêmes signes partout sur la planète, même les proto-signes. Je ne sais pas s'il y a une correspondance avec la langue Nguru. On en trouve sur l'île de Pâques, on en trouve en Inde, on en trouve vers Yonaguni. C'est intéressant quand même. Yonaguni, c'est cette cité engloutie au sud du Japon. Oui, pour moi, c'est une cité engloutie. Il y a des formations géologiques qui peuvent ressembler à ce qui est là-bas en bas, mais il n'y a pas des tunnels creusés comme ça, à angle droit, ça non. Avec un porche dessus, non. Des statues dont il reste quasiment la forme, un petit peu à élucubrer dessus, mais c'est pas d'hier. Hein. Et puis ça a peut-être été détruit par un cataclysme sérieux, tout ça, qui a gardé le niveau des eaux par la suite plus haut, puisqu'il y a eu des mouvements de terre, et des terres qui arrivent, et des terres qui s'en vont. D'ailleurs, il y a des terres qui remontent, hein, il me semble, mais bon, on n'en parle pas beaucoup, dans le Pacifique. Mais la région de Nouvelle-Zélande, là, en Nouvelle-Calédonie, bientôt, vous êtes en haut des montagnes, et il y aura des plaines en bas.
Mais bon, avant, il y aura peut-être une petite douche. Et puis ça risque de bouger. Mais vous ancrez dans un submersible. Un submersible, ouais, bien attaché avec du mou, qui peut balloter, de toute façon, un submersible. La vague, elle ne va pas durer 2 jours, hein. Elle passe. Donc, il suffit d'avoir de l'air durant ce moment-là, de ne pas être emmené par le courant et se douter qu'à la suite, il n'y a plus rien sur place et il faut tout reconstruire. Donc, amener de quoi faire. Vous faites ça. Parce qu'un dirigeable avec des vents à 800 km/h, ça ne va pas le faire. Là, vous allez faire le tour de la planète, là. Ah, a priori. Enfin, d'après moi, ouais. Sinon, il faudrait que les gars du Vendée Globe, ils m'expliquent combien de miles ils ont fait et si vraiment ils ont fait le tour et que finalement, ils auraient pu envoyer un signal optique à toutes les bases qu'il y a en Antarctique. Hein, combien il y a de distance entre deux bases en Antarctique? C'est un bon sujet, ça, pour avoir une représentation ou pas de correcte de la Terre. Bien, alors on continue ou quoi? In Bavarian folklore, around the Middle Ages. Dans le folklore bavarois, au Middle Age, Terms such as Wolfsagen. Au Moyen-Âge. On parlait aussi donc de chevaucheur de loup et de charmeur de loup. Et là, il nous parle de And Wolfman referred to charms d'homme-loup. or incantations that either protected against wolves or Et spells. il y avait aussi tout un livre d'incantations pour se protéger That caused wolf attacks. des attaques dues des fois à des sorts qui avaient été jetés. Folklore of German-speaking Europe, the people that were involved in this sort of magic were known as wolf charmers and were not. Donc, les charmeurs de loups étaient le nom qu'on donnait à ceux qui étaient impliqués dans ce genre de magie. Humans that transformed into a wolf, but usually depicted as wise elderly men that had the power. Et on ne leur attribuait pas la capacité de shapeshifter en loup, mais par contre d'être des sages, des vieux sages à la barbe longue, Were influenced over wolves and made a living qui étaient parfois sous l'influence des loups, selling charms or incantations. Around et qui s'y connaissaient donc dans tout ce commerce-là. The time of the 16th century, they began to be persecuted as witches and in the early. Vers le 15e siècle, 1500, 16e siècle, on a commencé à les pourchasser sous le terme de sorciers pour les causes de l'accusation de sorcellerie. 1600s, a number of Wolfsagner or wolf charmers were tried and executed as werewolves. Il y a eu plein d'exécutions. C'est joli là, hein? T'as vu le petit pont? C'est un petit pont ou c'est un toit? Ah, c'est le toit de la cabane. Ah oui, c'est le toit de la cabane. Je pensais qu'il y avait un chemin là, paf, tac, tac. Ah, c'est super, hein? Les belles couleurs, hein? Non, mais les belles photos, ça voyage à donf. I want to stress C'est that at that time, spatio-temporel en plus, hein? the werewolf was not a shapeshifter, but a magician. And Alors, je ne sais plus où, le loup-garou n'était pas un shapeshifter, mais plutôt un magicien. a typical example is the trial of an 84-year-old man named Thomas Heiser, who underwent extreme torture, which I don't want to describe because it's very graphic and brutal. Il ne va pas nous décrire les tortures qu'a subies un vieil homme de 84 ans qui en était accusé. He eventually confessed to knowing how to perform Wolfsagen. Mais il a confessé savoir comment on faisait ça. Which he said he had learned from a friend 50 years earlier and had. Savoir qu'il avait acquis d'un ami 15 ans plus tôt. Made his living by performing it for the peasants. He claimed to be able to call the wolves to attack a specific head. Il disait qu'il était capable de commander au loup d'attaquer une personne particulière, Of cattle and to have done. une tête particulière de bétail. Done this a total number of 10 times over a period of 40 years. Et il aurait fait ça au moins 10 fois sur 40 ans. After being severely tortured, he confessed that he had to promise his soul to the devil in order to learn to. Ah, et après avoir été sévèrement torturé,
il a confessé avoir été obligé de donner son âme au diable de façon à avoir ce savoir. Charm. But that part of the confession was something that the church usually demanded to justify mutilating and then burning people alive. Mais ça, c'était une partie qui était inclue dans les obligations de l'enquête, de l'inquisition, de la torture, de la question par l'Église, ordonnée par l'Église, de façon à pouvoir les brûler par la suite. Another famous case was of a German farmer named Peter Stump, who was nicknamed. Il y avait un autre qui s'appelait Peter Stump, qui était un fermier allemand. Ouh, calme-toi. And witchcraft, after being stretched up. Bon, qui était accusé a priori de sorcellerie. On a rack, and before further torture commenced, he confessed having practiced black magic since he was 12 years old. Il a admis pratiquer la magie noire depuis qu'il avait 12 ans. Ça lui venait pas comme ça, à mon avis. Alors, soit il s'est fait abducter, soit ça vient de ses parents, hein, ce genre de truc-là. Non, parce qu'on peut regarder ça aussi avec l'esprit de l'enquêteur d'aujourd'hui. On sait les pratiques de MK, l'éducation Illuminati, on connaît cette affinité de certains, que ce soit par biais génétique ou autre, de pouvoir communiquer avec ces dimensions-là et les entités qui les habitent. On sait même presque comment ils font. He also confessed to many other sins during the torture, such as having intercourse with a succubus sent to him by... Il a même admis avoir eu des relations intimes avec des succubes. Vous savez, les succubes et les incubes, ce sont des entités masculines et féminines dont on dit qu'elles vous prennent votre énergie sexuelle durant la nuit, pendant des rêves qui tournent souvent au cauchemar. Ben, des vampires énergétiques du louche sexuel, oui. Oh, c'est excitant. Attention, hein, ils font flipper. Hein. Ça fait flipper grave. Et les gens se réveillent et ils sont bloqués et ils sentent le corps de l'entité sur elle, sur eux, en train de s'alimenter, entre autres. By the devil. But again, when someone's limbs are being torn off, they'll usually confess to anything. Peter Stump was then executed in one of the most brutal ways ever recorded. Quote. Donc, il a été exécuté de manière horrible. C'est quand même ça qui est terrible, hein, aussi, hein, on va dire. C'est que, bon, si en supposant qu'il y ait eu un bien fondé à cette attitude de l'Église, qui, alors là, je ne peux pas m'empêcher de le faire, c'est encore, est quand même basé sur des pratiques qui ont été issues de la rencontre du cinquième type avec une entité psychosociopathique galactique. Chaïe. Qui est plus ou moins le général en chef de tous ces actes vampiriques et de louching sur l'humanité. Mais enfin, c'est un truc à trouver dans le deuxième sens de la phrase, le plus beau tour que le diable nous ait joué, c'est de nous faire croire qu'il n'existait pas. Et qui c'est qui a dit ça et comment il l'a dit et... Ça peut être inquiétant pour les gens qui estimaient que la personne est décrite comme étant le Seigneur. Vous mettez un A ou un E, évidemment, là, dans mon speech. N'était autre qu'un usurpateur spirituel, on va dire, de spiritualité, qui s'est intercalé dans une hiérarchie, si on peut dire, de puissance spirituelle et psy. C'est-à-dire les correspondants multidimensionnels avec lesquels on peut interagir plus ou moins volontairement, ce qui est une des choses à apprendre d'ailleurs, ce contrôle-là. Pas pour interagir, mais pour être prêt, pour savoir ce qui se passe. Interaction donc entre un de nos corps subtils, supérieurs, on va dire supérieurs, parce que là, on est. Je vous parle avec un corps 3D, c'est une intelligence qui est en... Ah ouais, elle est haute, normalement. Attendez, on va aller plus calme. Voilà, je viens de rire, c'est mon corps 4D qui... est soumis à, voilà, là je pense, ou ouais, plus ou moins, ouais, qui est soumis à celui qui est en 5D, qui est l'intelligence,
qui est soumis façon de parler, hein, qui est soumis à ma conscience, mon âme, qui est en 6D, 7D, 8D, je sais pas, hein, plus affinité. Enfin, j'ai dit « je » pour me prendre pour exemple, hein, donc on va rester sobre et tout ça. Je ne sais même pas si je suis en 7 ou 7e niveau. Hein. J'aimerais bien. Moi, je crois que c'est le niveau christique, c'est pas mal. En toute humilité, c'est pas mal. Ouais. Après, il y a quoi ? Il y a les corps bouddhiques, atmiques, encore plus haut, ou le christique est plus haut. Enfin bon, ça dépend des nomenclatures, on va dire. Puis, de toute façon, je sais pas. Je sais que ça existe, mais je n'ai pas fait un exposé, je n'ai pas préparé la vidéo, ouais, comme d'habitude. Et il y a des gens qui savent ça par cœur, moi, non. Je réfléchis à tout ça à chaque fois que je suis face au sujet. J'ai construit plein de trucs dans la maison, là, je ne sais plus les faire. Si je dois recommencer, continuer d'ailleurs, parce que je n'ai jamais fini. Il faut que je m'y remette, vous voyez. Il faut que je me recomprenne tout. Ça revient vite, évidemment. Et après, il faut que je trouve les outils. Bon. Mais ça va ensemble. Voilà. Et puis après, le matériel. Puis, oh, tac, puis au bout d'un moment, c'est de nouveau encore plus le bordel avec de la cire partout. Allez, on reprend. C'est plus ou moins pénible par rapport à quand je me mets à la peinture et que ça sent la térébenthine partout. Alors là, ça sent quelque chose de fort, très très fort, et puis entêtant et plus ou moins sain pour certaines personnes. Il y a des gens qui ne supportent pas. Moi, j'aime bien l'eucalyptus, j'aime bien les senteurs de pin, les résines. Donc, c'est pas la plus douce. Hein. Il y en a d'autres qui sont plus fruitées, plus. Mais enfin bon, ça dépend des goûts. Les expériences, les habitudes, tout ça. On reprend ou quoi? He was put to a wheel where his flesh was torn from his body. Oh non, on va pas lire ça. Il décrit la torture finalement. Là. Bon, là, ça se passe pas bien non plus. Gardons votre sang-froid, ne perdez pas la tête. Oula. In the early 18th century, after the end of the witch trials, the werewolf folklore emerged in the gothic horror genre and in modern horror and fantasy literature. Donc, après toute cette période qui était politiquement engagée, on va dire, tout ça a glissé vers le folklore, la littérature. In pagan era, proto-Indo-European or Aryan mythology often includes a wolf as part of it. Durant la période pagane, la mythologie indo-européenne. Aspect of the initiation of the warrior. Il y avait un aspect de fréquentation de ces sujets-là en tant qu'initiation des guerriers. Where a ritual is conducted to symbolically turn men into wolves. Où il y avait des rituels qui étaient pratiqués pour symboliquement amener l'homme vers l'animal, vers la puissance animale. Ouais, je pense que c'est la puissance qui était l'intérêt. Which from a medieval Christian perspective became associated with the devil. Ce qui a été associé à de multiples occasions par la perspective chrétienne, comme une fréquentation du diable. In Turkish and Central Asian folklore, en Turquie et dans le folklore centre-européen, shamans, after performing long and arduous rites, des chamans, après avoir pratiqué des rites longs, voluntarily be able to transform into the humanoid Kurt Adam, étaient capables de se transformer physiquement, which literally means wolfman. And since Nomlu, wolf was a totemic ancestor animal of the Turkic people, et ça correspondait avec un emblème totémique ancestral des Turcs, le loup. Be respectful of any shaman who was in such a form. Et qui amenait le respect vers tous les chamans qui arrivaient à prendre cette forme-là. Alors, il n'y a pas un groupement politique aujourd'hui qui s'appelle comme ça, avec des guerriers à l'intérieur. En colère, il me semble. Enfin, peut-être pas tout le temps. So in a shamanistic context, the transformation is on a soul level, where his spirit. Au niveau chaman, on va dire, la transformation est au niveau de l'âme. The form may leave, and his body remains behind in a trance state, unchanged. Le corps reste là en état de transe,
et l'esprit s'envole, si on peut dire, ou galope sous les formes du loup. Physically. In some rituals, clothing is removed and a belt. Dans certains rituels, on enlève ses habits. Made of wolf skin, or the entire animal skin is worn. Et l'habit, enfin, et on porte la, porte, la peau entière de l'animal. And a magic hallucinogenic ointment is rubbed on the body. Et des dessins ou des caractéristiques magiques correspondantes sont peintes sur le corps. Et je suis en train de me transformer en homme chat. Il a dit oh les cœurs, vous avez vu, oh les cœurs. Oh là là, je deviens gâteux, j'ai chopé la lune d'amour tout vite. Terrible. Je m'arrêterai là, sinon après, on va changer, je vais faire un encart. A few references to men changing into wolves are found in ancient Greek literature and mythology. On trouve quelques références dans l'ancienne littérature et mythologie grecque à des hommes se changeant en loup. Herodotus, in his histories, wrote that Nuri, an Aryan tribe he placed to the northeast of Scythia. Au nord-est de Scythia, Hérode a dit qu'il y avait une tribu ancienne. Were all transformed into wolves once every year for several days. Dont tous les membres, une tribu hein, dont il parle, Eria. Ah, il a dit le nom. East of Scythia, were all transformed into wolves. Hop, pas assez. Herodotus, in his histories, wrote that Nuri, an Aryan tribe, he placed to the Nuri. Northeast of Scythia, were all transformed into wolves once every year for several days. Et alors ils se transformaient en loup une fois par an pendant plusieurs jours. And then changed back to their human shape. Puis revenaient à leur forme humaine. Il y avait aussi des histoires de transformation temporaire en loup lors de sacrifices en l'honneur de Zeus. Ok. J'ai enlevé plein de vidéos dernièrement, dont certaines étaient tirées de travaux de gens qui, je pense, commencent à être très âpres quant aux droits d'auteur et aux exigences de leur présentation au public, même si on les traduit. Alors, les vidéos sont parties, mais le savoir est toujours ici. Et donc, lors de mes encarts, je vous en fais des références assez fréquemment. Et un de ces quatre, j'espère que j'aurai le temps de pouvoir tomber dans le dossier où elles sont toutes stockées, malgré tout, et de vous en faire des résumés succincts en une version dans laquelle il n'y aura finalement aucune possibilité de me chipoter une image ou un bout de texte. Hein? C'est du boulot, hein, par contre. Hein. Ben, c'est... Ça veut dire que je devais devoir vous résumer des vidéos. Bon, vous avez compris, quoi. D'habitude, une vidéo d'une heure, elle dure deux heures chez moi, donc l'exercice va être ardu. The ancient Roman poet Virgil wrote of a man who used herbs. Hippolyte Virgile, un ancien écrivain romain. And possibly psychedelic poisons that he picked to turn himself into a wolf. Parlait de poisons psychédéliques qui permettaient cette shape-shifting, cette transition, transformation, métamorphose. Seems implied that certain characteristics of the wolf were attained rather than a physical transformation. Et plutôt qu'une transformation physique réelle, c'était plutôt les caractéristiques donc du caractère du loup qui étaient atteintes. In Greek mythology, Dolon fought for Troy during the Trojan War. En mythologie grecque, and is often depicted wearing a wolf skin. Un héros, là, est souvent décrit en portant une peau de loup. The wolf also turns up in nationalist Germany as a term. En Allemagne nationaliste, le loup s'est transformé en... For the Führer, whose military headquarters was also codenamed the Wolf Slayer. En symbolique envers le Führer, puisqu'il y avait même une base qui s'appelait la tanière du loup. Une base secrète, pas secrète, mais protégée... Un QG. Its earliest origin. C'était moche, hein, vous avez vu ça?
pas ça, c'est après. Mais enfin, c'est pas le sujet. Non, mais je dis ça parce que vous avez vu le nombre de châteaux magnifiques qu'on a et qui sont aussi des tanières de loup. Domestication of wolves, which became companions to early modern humans, or who in the Ice Age anthropologists refer to as Cro-Magnon. Some researchers speculate that the relationship between Cro-Magnon and domesticated wolves was... Il y aurait eu des relations entre Cro-Magnon et loup, le loup. An alliance that contributed to the victory of Cro-Magnon over Neanderthal. Jusqu'à même une alliance qui aurait contribué à la victoire sur, sur les Néandertals qui ont été éradiqués il y a à peu près 13 000 ans. En quart. On a aussi trouvé des preuves de rapprochement sérieux entre les deux espèces. Et puis, pardon... J'aimerais pas oublier la possibilité que il y a des entités là-haut qui gèrent le troupeau en bas et qui parfois peuvent déclencher certains cataclysmes plus ou moins locaux d'ailleurs, qui participent au décimement, à la décimation d'espèces entières. Alors décimation, c'est pas le mot parce que décimer, c'est 1 sur 10. Hein, c'est-à-dire, une punition romaine dans les légions quand ils s'étaient mal battus ou qu'ils avaient, ils avaient fui ou on tuait un soldat sur 10. Ben voilà, quand, ça, quand la main d'œuvre coûte pas grand-chose. Le but, c'est de gagner, donc être fort en nombre, mais malgré tout, on se décime. Ben oui, parce que des fois, la qualité vaut mieux que la quantité, ouais, sûrement. Puis de toute façon, ils tiennent tout ça avec la terreur, hein, le, c'est le respect par la terreur, c'est pas le respect par l'admiration. Le respect par l'admiration étant plutôt la version politique sous laquelle on aimerait bien voir tourner la planète. Mais bon, politico-philosophique. The most popular explanation for the extinction of... C'est faux ce dessin là. Mais bon, j'en connais qui lui ressemble. Neanderthals is climate change. But modern bone redating methods don't support that long-held theory. Depuis qu'il y a ces méthodes de datation des os, on ne supporte plus une certaine théorie de changement climatique. The evidence suggests that while Neanderthals had lived successfully... Les preuves montrent que lorsque le Néandertal a vécu avec succès Europe and Asia for several... en Europe et en Asie 100,000 years, pendant des plusieurs millénaires, they became extinct when a newcomer suddenly shows up in the fossil and genetic record. Il y a eu une extinction à partir du moment où s'est montré quelque chose dans les os. Cro-Magnon appears around 40,000 years ago. Cro-Magnon est apparu il y a 40 000 ans. Fully developed toolkit, not found. Avec des sets d'outils complètement développés. Ouais, je vous dis, il y a du monde autour. Anywhere else on the Earth, there were no gradual stages of development. Il n'y a pas eu de stage graduel de développement. The bifacial stone tool technology was sudden. Cette technologie de pierre à deux faces. Magnifique. Ben, c'est simple, hein? Mais il y a une... C'est esthétique en plus. And a characteristic attributed to Cro-Magnon. That means bone arrows, stone tip bifacial. Donc, il nous parle des pointes de flèche, des bouts d'outils, des fers d'outils. Spear tips. Fer, hein, des pierres d'outils. That you throw. Not just pointy sticks with a sharp rock attached to it, but the kind that you throw. Pas uniquement les embouts de lance, on va dire, mais aussi ceux que l'on lance, qu'on envoie. Bon, les pointes de flèche, les flèches. Especially with an atel-atel, which is a spear-throwing device that makes a spear go farther and faster. Surtout avec un propulseur, qui est une petite technologie qui permet d'envoyer plus loin et plus fort une sagaie, une lance, une sagaie. Cro-Magnon had a larger cranial capacity. Cro-Magnon avait une capacité plus grande, crânienne. 1,000 years ago, than today's average was seafaring. Non, c'est pas Cro-Magnon dont il parle là. C'est de l'autre. C'est Néandertal. Me semble-t-il. Cro-Magnon had a larger cranial capacity. Bon, là, il dit Cro-Magnon, mais la phrase, elle commence pas là. With the kind that you throw. Especially with an atel-atel, which is a spear-throwing device that makes a spear go farther and faster.
Hop, on s'arrête de temps en temps. Cro-Magnon had a larger cranial capacity 40,000 years ago than today's average. Le Cro-Magnon d'il y a 40 000 ans a plus de capacité crânienne que nous aujourd'hui. Et Néandertal en avait peut-être encore plus que lui, mais c'est pas le sujet. Là, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est que donc, il y a 12 000 ans, 9 000 ans, 10 000 ans, 11 000 ans, 7 000 ans, on va dire 8. Il y a eu un hacking génétique sur l'humanité par, a priori, les Anunnaki, si on peut en croire les textes sumériens, dont les Numa Elish est une version antérieure de la Bible, hein, plus vieille de 5-7 000 ans. Oui. Donc, on pourrait la clore mon encart du début qui dit que ces bouquins ont été écrits par les victorieux d'une époque dans laquelle l'humanité était en récupération d'un choc traumatique psychologique dû au déluge. En plus. Par des entités qui, elles, choisissaient un petit peu le personnel qui allait rester à bord ou pas. D'autant plus que dans le ou pas, je sous-entends qu'il pouvait tomber sur les tribus qui avaient été plutôt hackées par d'autres entités avec lesquelles ils étaient plus ou moins en bon terme, a priori. Et tout ça, c'est un sujet assez écailleux, des deux côtés d'ailleurs, mais pas avec les mêmes intentions. On reprend. Seafaring, war clothing. Alors donc, ils savaient naviguer, ils savaient se composer des vêtements, lived in wooden houses, des bijoux. And while the wood hasn't survived, ils vivaient dans des maisons en bois. There's evidence, the posts that they made in the ground house. Cro-Magnon also domesticated animals, like le Cro-Magnon domestiquait des animaux. Horses, which I covered several times, and dogs. Les animaux tels que les chevaux, les chiens. Which to a large degree comes from domesticated wolves. Qui proviendrait de loups apprivoisés, en grande part. The myths and legends of ancient antediluvians. Encore. Pardon. Si vous regardez les travaux de Edmund Marriage, en anglais, à propos des Shining One, on est dans une zone au-dessus de Göbekli Tepe ou en dessous de Göbekli Tepe, en dessous, je crois. C'est dans le haut Liban. Et c'est là qu'il place un Éden où il y a eu justement ce laboratoire génétique quelque part et où la demi-sœur d'Enki et d'Enlil, Ninarchag, qui était en fait chef généticienne, s'est amusée à élaborer à partir des plantes sauvages ce qu'on a aujourd'hui comme alimentation de base végétale en céréales et en légumes. Et aussi, je pense, elle et ses aides, qui étaient, je ne sais pas qui, mais je crois qu'il y a deux espèces qui l'aident. Enfin, il y en a une à son niveau et une d'où elle a tiré son savoir. C'est Anton Parks qui en parle le mieux. Enfin, bon, pas le mieux, mais qui en parle bien de ça. Alors donc, elle s'est même amusée à transformer la basse-cour parce qu'il semblerait que génétiquement parlant, il n'y a aucun rapport entre le buffle d'avant et la vache d'aujourd'hui. Voilà. Et à propos, l'homme n'est pas un primate. Hein. Il y a 12 caractéristiques génétiques différentes entre l'homme et le primate. Donc, je suis désolé, on ne descend pas du singe. Et voilà, c'est très, 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 très. Et d'ailleurs, de toute façon, où sont les éléments intermédiaires, hein, et etc., etc. Et pourquoi les autres n'ont pas évolué. Donc, il y a à chaque fois pour une évolution, une adaptation entre deux boosts dus à des interventions que j'appelle hacking génétique par des entités qui possèdent cette technologie, cette manière, cette science, aussi bien, mieux même, que nous en sommes aujourd'hui arrivés, nous-mêmes qui arrivons à faire des clones et qui pratiquons, paraît-il, de la thérapie génique qui, à mon avis, a été finalisé par des intelligences artificielles qui, malheureusement, ne sont pas à notre service. Mais ça, c'est un encart dans l'encart dans l'encart. Elles ne sont pas à notre service. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui peut savoir à quoi notre destin doit ressembler. Elle ne peut pas.
qu'on a une compréhension émotionnelle qui a peut-être aujourd'hui appréhendée par la conscience artificielle inventée par Alatra TV, le groupe Alatra, la secte Alatra, je ne sais pas si c'est une secte mondiale, elle se veut mondiale. Et oui, c'est un embêtement, ça, quand même, parce que, justement, ça rentre dans le plan de la religion unique mondiale. Et c'est très proche de Allah. Mais Allah, Ra, Zeus, Jupiter, donc. C'est tous un peu des Anunnaki, a priori. Au niveau, hein, on est d'accord, mais intention... Il faut savoir quand vous êtes dans un état de prière, quand vous suppliez quelqu'un, vous êtes dans un état de soumission. Donc, vous n'êtes pas un humain libre. Et que cette soumission est induite et maintenue par la peur. Vous avez la peur de la colère de Dieu. Eh oui. Ce n'est pas normal. Vous avez un gros hystérique dans la cour de l'école qui martyrise toutes les maternelles, là. Vous le laissez faire ou bien, vous savez, le mec qui a redoublé 4 fois, il a du poil alors que tout le monde a 9 ans. On ne comprend pas, c'est bizarre. Le gros voix. Maman, à l'école, il a, monsieur, il a une grosse voix, mais c'est un élève. T'es dans ce genre d'école, mon fils? Oui, oui. Ça doit être facile d'être premier. Oui, oui. Bon, après, non. Mouler une clope, quand même. Wars, such as the one between the Greek gods and the Titans, I've already discussed it. Donc, je ne sais plus où on en était, mais il nous parle des guerres qu'il y avait eu entre les dieux grecs et les titans. Pareil, hein, tout ça, c'est des genres de ziti par rapport à nous. Where I identify the conflict in terms of haplogroups, such as R1. Et on a interprété, identifié ce conflit en termes de groupes haplogènes, d'haplogroupes, au niveau de la génétique. A and R1B, which are alors, d'ARNA et d'ARNB. Terms describing the Y chromosome, which is attributed to men. Avec un terme attribuant le chromosome blanc aux hommes. Passed down from father to son. And now I'd like to expand qui passait vers le fils. On this ancient war to merge with some anthropology in terms of the fossil record and ce qui a été difficile de mélanger avec où j'en suis là. Genetics which come down to us in mythology. Avec les faits mythologiques. Et bon, ils essayent de construire un support scientifique parallèle basé sur les groupes haplogènes en rapport avec la mythologie, attribuant des gènes différents aux dieux par rapport aux titans, entre autres, si j'ai bien compris. Et oui, et ils ont fait de la génétique croisée. Ils nous ont donné de leur génétique, pas tous, nous, ils, respectivement, hein. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, ce jet-là, là ? Ben, vous savez, nous, quand on respire dans l'air, on prend l'oxygène et on souffle du CO2, parce qu'il nous faut l'oxygène. Si cet animal-là, par exemple, est à une base de plutôt cuivrée que carbonée, ou cuivrée, enfin, oui. Est-ce qu'on peut dire silice et cuivre par rapport à carbone et fer, fer dans l'hémoglobine. Donc, il prendrait dans l'air d'autres gaz et il en recracherait à la limite un gaz qui s'enflamme quand il arrive au contact de l'oxygène ambiant. Ou c'est une soucoupe volante et puis... c'est une arme à énergie dirigée, comme on en parle souvent de ces derniers temps aussi. Ou les deux. Des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre. Cette image-là est
au second degré. Oui, parce qu'à cette époque-là, l'autre aussi, il est écailleux. Les deux sont écailleux, ils ne sont pas du même bord. Il y a de toute façon une lutte entre reptiliens et dragons. Et parmi les reptiliens, il y a les draco-reptiliens et les reptiliens, plein d'espèces différentes. Et ils ne sont pas tous d'accord, évidemment. Ça serait trop simple. Donc, on ne peut pas dire, en tout cas, que le sujet ne soit pas bien illustré, et magnifiquement, d'ailleurs. While some myths and legends involve the dragon, alors que certains mythes et légendes impliquant le dragon, which burns down villages, takes qui brûlait les villages, cattle, prenait dans le bétail, and demands young virgin girls to et avait besoin de jeunes filles vierges, presumably appease its sexual appetite, which I've associated with invading cultures that reveal. Qui a aussi été associé à des cultures invasives. The serpent symbology penetrating into Europe. Qui s'est mixé à la mythologie serpentine, si on peut dire. From Eurasia in the east. Provenance d'Asie, d'Eurasie et de l'Est. Now I'd like to talk about the ancient conflict between Cro-Magnon and Neanderthal. Maintenant parlons de l'ancien conflit entre Cro-Magnon et Néandertal. Which is also reflected in early myths as a war of the species between. Qui est aussi décrit comme une guerre des espèces dans les mythes anciens. In what are symbolically referred to as wolves and vampires. Sous la version de loup contre vampire. Là, je vous présente Dragoul. Having already associated the wolf to Cro-Magnon. Ayant déjà associé le loup à Cro-Magnon. Let's take a closer look at Neanderthal. Starting. Intéressons-nous maintenant à Néandertal. With its skull. The first noticeable. En commençant par le crâne, et effectivement, il a encore plus de. Alors, ce n'est pas la bonne angulation, mais quelque part, on n'est pas loin du tout non plus du crâne d'Akhenaton, des crânes allongés. Mais on est assez loin, parce que les autres crânes, c'est vraiment en hauteur, quoi, finalement. Hein. Il y a une légère angulation, mais c'est vers le haut que ça se développe et non pas le cerveau reptilien, hein, du côté du cerveau reptilien. Vous savez, il y a des études assez intéressantes en ce moment sur une tribu, dans l'Oural, pardon. Oui, j'ai fait le mélange de tabac, mais la partie corsée n'est pas sous le même format. Elle était beaucoup plus sèche, donc. Ah, oh, pardon. Donc, ça a fait de la poussière. Donc, il faut que j'équilibre mes cigarettes. Sinon, vous avez des longs épisodes chevelus de très blonds. Enfin, bon, pour le tirage, pour le goût, il faut une homogénéisation. Donc, il nous décrit le crâne du Cro-Magnon assez arrondi. The Neanderthal skull is elongated. Le Néandertal allongé. More of a football. Both of them had large cranial capacity. Ah, et on voit là l'opposition entre le football et le rugby. Ah, pardon. But the shape of the skull was significantly different, including the face and the eyes. Not only did leurs caractéristiques crâniales sont légèrement différentes, notamment même au niveau des arcades sourcilières. Enfin bon, l'optique oculaire. Neanderthal have a massive brow ridge, which means a protruding bone with an eyebrow. Le Néandertal ayant une barre frontale conséquente. Bizarre. But the eyes themselves were larger. Avec des yeux eux-mêmes plus grands. They devoted a larger part of their brain to seeing. And while this possibly meant. Donc il y avait une plus grande partie du cerveau qui était liée à la vue. That they had better eyesight. My personal opinion, it could also suggest that they were at least partially nocturnal. Qui aurait pu les amener à avoir une meilleure vue, son opinion particulière, et qu'ils auraient même pu voir la nuit, avoir la vision nocturne développée. Alors que la plupart des anthropologues estimeront que le Néandertal, habitant dans les contrées plutôt nordiques, à la luminosité plus blafarde, ça leur permettait d'avoir une meilleure vue dans ces conditions-là.
et certaines autres caractéristiques au niveau de l'os frontal pourraient faire penser au fait que justement il travaillait plutôt la nuit. Ayant la capacité de voir de nuit, il s'en servirait. Alors maintenant, revenons à notre sujet. Par rapport à ceux qui sont plutôt adaptés au jour et ceux qui sont plutôt adaptés ou qui ont des capacités nocturnes. En plus, il pourrait y avoir des preuves comme quoi Néandertal était cannibale. Il y a une cave en Belgique où ils ont trouvé des os d'un bébé et de 4 adultes qui montrent de clairs signes de fractures et de tentatives d'en extraire la moelle intérieure. Donc, ça permet cette conclusion des anthropologues belges à propos de l'anthropophagie. Ils auraient d'ailleurs aussi mangé leur mort. Les os présentaient les mêmes caractéristiques que les os de bétail ou de gibier, on va dire, avaient été fracturés de façon à en extraire la moelle. Bonjour mes amis les gilets jaunes. Mais si on en est à estimer qu'on mangeait de la viande, on peut aller jusqu'au fait qu'il devait boire le sang aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on a les preuves que la vie des Néandertals n'était pas pacifique, n'était pas calme. On trouve énormément d'os cassés. Break to the lower arm caused by warding off blows. Neanderthals also show a lot of broken arms. Ah, j'étais en train de bugger. Donc, il y avait des signes de fracture, des os, des crânes enfoncés et des fractures des membres supérieurs à l'endroit où on taperait pour faire lâcher un caillou ou un bâton, ou une sagaie, ou une épée. Et même dans Star Wars, c'est l'endroit où ils le coupent. Néandertal a occupé le Moyen-Orient pendant de nombreux millénaires. That is one of the reasons there's still so much conflict there today. The Levant was not. Et il lucubre, non, enfin, il avance que ça pourrait être une des raisons des conflits qui existent encore aujourd'hui. Encore, non. Mais moi, là, j'y vois la raison exopolitique, qui est la même, par contre. qui est possiblement la même. J'en sais rien, c'est la même, mais bon. Vous voyez le genre. C'est deux clans cosmiques qui se disputent par proxy sur Terre, avec les adaptations au fur et à mesure de l'histoire, de ce qui se déroule, des coupements et recoupements, des actions, réactions. Des... Hein? Voilà. C'est personnel, à peu près. Bon, encore, je ne sais pas si on fait exprès, mais en tout cas, les faciès qu'ils ont donnés à tous les personnages qu'ils ont recréés là dans ce musée, on les croise. Il n'y a pas d'évolution. L'évolution, elle est interne, elle est mentale. Il y a un développement cérébral, possiblement, ouais. Léger. Il y a une adaptation du crâne aux circonvolutions du cerveau. Et si on a la pinéale qui se développe, on va avoir une bosse ici, où on va avoir le crâne qui va s'allonger. Et où se séparer en deux. Parce que justement, dans les crânes allongés, on a ces deux types-là. Et je pense qu'ils avaient à cette époque-là une pinéale grosse comme une poire. Ce qui est évidemment leur attribut, des capacités qui dépassent nos possibilités de conception, à mon avis. Par contre, ça explique beaucoup mieux le côté magique, ce qui est décrit comme magie, qui est en fait juste la technologie spirituelle, mentale. Manipulation du chi, si vous voulez, ou entre autres. Quoi. Mais remote view, comme on appelle, quand on peut être à plusieurs endroits à la fois, enfin bon, là on va revenir. Il est probable qu'il y ait eu dans les académies une
une misconception due au rapprochement entre l'Homo erectus et Néandertal. Probably because of the commitment to the out of Africa hypothesis, which is politically. Et la théorie de la provenance hors de l'Afrique. J'ai une théorie aussi, moi. Ben, c'est qu'il y a eu des laboratoires génétiques et des implantations de différents groupes à plusieurs endroits sur Terre, et qu'à chacun de ces endroits sont sortis une partie de ce qui compose aujourd'hui l'espèce humaine, les espèces humaines. En tout cas, les différentes races humaines. Puisqu'il y a différents groupes génétiques, soyons juste scientifiques. Après, ça m'est bien égal qui est le premier. Ce genre de compétition, on voit bien d'où il vient, ce genre d'esprit. Et il sert à quoi? Et à Cryptophyte le crime? Alors donc là, à ce moment-là, ce n'est plus une entité, celui qui divise et qui règne. C'est un concept. C'est le fait de constater que quand il y a problème, il y a eu division et que par la suite, les dissensions font que les deux sont manipulables. On peut aussi le voir comme ça. Donc à ce moment-là, il est clair que c'est chacun d'entre nous qui nourrit ou pas en lui ce côté-là de sa conscience. Ours blanc, dans sa légende, disait, quand on lui demandait quel était le loup qui allait gagner, le loup du bien ou du mal, il disait, gagnera le loup que tu nourris. Alors bien, mal, je sais pas, oui, vous pouvez aussi adapter un petit peu. Motivated, and at this point, resembles a cult-like ideology rather than science. Ces théories-là nous amènent plutôt à penser à une idéologie plutôt qu'à de la science. Idéologie quasi religieuse. C'est quand même étrange qu'en plus qu'ils ne nous montrent que des personnages au caractère, aux traits si forcés qu'ils en sont particulièrement en général pas vraiment inesthétiques d'ailleurs, mais extrême. Je suis désolé. Il y a si peu d'évolution. Vous avez vu les autres, là, avec des personnes qu'on a. Il y a si peu d'évolution qu'il y a quand même déjà à l'origine des beautés. Sub-Saharan Africans trace up to 19% of their genetic ancestry to an extinct archaic hominin species, such as Homo. Il nous parle de 90% des anciennes origines africaines. Erectus, that is not found in the DNA of present-day Asians. Alors, pour expliquer le modèle actuel des populations, le modèle racial actuel des populations. Okay, sub-Saharan Africans trace up to 19% of their genetic. Ah ben, il nous traduit ça là. Les Africains subsahariens d'aujourd'hui prouvent avec 19% de leur ancestralité génétique d'être en provenance d'une espèce hominide archaïque éteinte, telle que l'Homo erectus, qui n'est pas trouvé, caractéristiques qui ne sont pas trouvées dans l'ADN des Asiatiques d'aujourd'hui, ou des Caucasiens, ou des Européens. Quoi qu'il en soit, Cro-Magnon avait des caractéristiques crâniennes faciales typiques. Oh là là, qu'est-ce que c'est gonflant. Que ce soit le manque de menton, l'absence de front, l'orbite oculaire. Dental differences, meaning the teeth, il y avait des différences au niveau de la denture. Number of vertebrae, the number of ribs, le nombre de vertèbres, de côtes. In blood, and while there were complications with interbreeding, it did happen.
et même dans le sang, hein, bon, et même malgré les complications de mix des espèces, il s'en est produit. But not hundreds of thousands of years ago. Cross-species interbreeding took place. Mais pas il y a 100 000 ans, les croisements d'espèces. 40,000 years ago and lasted for about 7,000 years. Entre 7,000 et 40,000 ans d'aujourd'hui. At which point Neanderthal disappears from the fossil record, but still remains. À tel point que Néandertal a disparu des registres des fossiles. In certain demographics, in the genetic record of some modern populations. Of course, certain. Ah, il faut que je reprenne. In certain demographics, in the genetic record of some 1,000 years, at which point Neanderthal disappears from the fossil record, but still remains in certain demographics. Mais reste encore dans certaines traces démographiques. In the genetic record of some modern populations. Dans leur registre génétique. Of course, certain groups which have infiltrated religious organizations. Bien sûr, certains groupes qui ont infiltré des organisations religieuses. Infiltré. Ben oui, oui, il y en a une partie qui, a priori, peut infiltrer. Mais bon, l'origine même vient de... Certain secret societies are also said to still part... Et certaines sociétés secrètes sont, continuer à participer actuellement. Participate in cannibalism, blood consumption. À des rituels de cannibalisme, d'absorption du sang. And seem to have a political agenda. C'est-à-dire qu'ils boivent du sang, hein. Et ont un agenda politique. Described as being antagonistic towards ancestors of Cro-Magnon types. Qui se prouve être antagoniste aux descendants de Cro-Magnon. Which according to genetic sequencing are closely related. Qui, en accord au séquençage génétique, if not identical to modern day Europeans. Est très proche, si ce n'est identique, au modèle européen. C'est intéressant, hein, Robert Sepper. My girl. She's gone again. And again, I'm alone. Ok, il nous suggère d'acheter ces ouvrages qui font des cadeaux de Noël magnifiques. Écoutez, moi, je vous remercie. On n'est pas passé par les petits canards à la fin, là, c'est ballot. on va aller faire un tour quand même au Moyen-Orient. Oh, ça va faire long, c'est pas grave. Allez, on va au Moyen-Orient. Donc ça nous vient du site Mysterious Middle East. Hashtag vampire démonologie et occulte. Les vampires sumériens et mauritaniens et la démonologie éthiopienne. Ethiopian deathbed falls firmly into the realm of vampire type attacks and subsequent retaliatory violence from local. On va reprendre du début. From the regional capital of Attar. Ah, mais en plus, on peut couper le son si on veut. Ah, c'est peut-être intéressant ça quand même. Ça me permettrait de ne pas avoir à mettre pause. Ah, essayons. Les écrits de la région capitale de l'Attar, un administrateur français, commandant Bousquet, a écrit le livre « Notes sur la sorcellerie » en 1936. Je vais le mettre en accéléré quand même. J'espère que je vais y arriver. Et après des conflits dans la région avec une série de vampires, confrontés à des attaques de type vampirique dans la région et à leurs relations subséquentes au niveau de la... des attaques type vampirique avec une violence relative conséquente de la part
des chasseurs de vampires locaux. Le commandant Bousquet, qui était basé à Shingeti, a écrit qu'il avait été témoin de, c'est trop rapide, de plusieurs cas de vampirisme, a priori, ou je ne sais pas. Oh, trop loin. Ah non, si. Vous voyez, de plusieurs cas de vampirisme alors qu'il était stationné dans la région. Et qu'il avait rencontré un certain nombre de victimes émaciées qui avaient eu une certaine quantité de leur sang drainé hors de leur corps avant qu'ils ne succombent à leurs conditions de santé lamentables par la suite. Les villageois accusés de ces morts des sorcières vampires. Dans son rapport, il dit que ceux qui étaient les proies complètes à cet vampirisme sanguin étaient laissés dans un état proche de la mort dans le Sahara, là où les membres de leur famille les ont retrouvés. Alors maintenant, on nous demande... attention, parce que ce qu'il va nous dire, c'est un peu dérangeant. Alors, ça provient d'archives militaires. Le capitaine, là, Busquet. Enfin, maintenant, peut-être qu'il a écrit Bu, parce que le U se prononce OU en arabe, je ne sais pas. En septembre 1930, un administrateur français basé dans le nord-ouest africain, dans une nation de Mauritanie, fait mention d'un incident perturbant durant son rapport mensuel. Dans son rapport mensuel, il y était écrit qu'une femme avait été attaquée par... un groupe de foule locale après avoir été accusé de vampirisme. Le rapport notait que les villageois croyaient qu'elle était une entité surnaturelle qui avait réussi à extraire de manière anormale le cœur de ses victimes, enfin du corps d'une autre femme et l'avait mangé. Oui, extrait anormalement, c'est-à-dire qu'elle fait ça comme les soigneurs philippins. Elle le sort, il sort et il n'y a pas de trace. Enfin, il y a du sang partout, mais la peau est refermée, quoi. Ou elle le fait à distance. Elle le fait depuis chez elle. À distance, ailleurs. C'est du remote vampirisme, du remote cannibalisme à tendance vampirique. Ah, mais ça dépote, hein, ce qui s'est passé sur Terre, des fois. Hein. Bon, il y a la traduction qui en a été faite, mais là, lui, il traduit, vous allez voir, hein, il ne fait pas intervenir des choses... c'est pas conspi. C'était... c'était un des incidents parmi plusieurs qui se sont produits dans différents endroits de l'Afrique du Nord durant les 90 dernières années. Ce qui indique une forme de vampirisme pratiquée en guise de magie noire et de folklore qui continue à avoir lieu dans la région. La haute étrangeté ne s'arrête pas là, parce qu'en plus que ces humains qu'il a rencontrés avec des créatures étranges humanoïdes qui ont goûté leur sang et qui avaient le désir de se nourrir de la population locale.
Ah, ben c'est trop rapide ou quoi? Alors là, il nous fait la présentation, c'est bien. Je vais la laisser, je vais juste je la coupe comme ça pour des questions de l'algorithme. Poum, 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 l'Afrique. Ah, ben c'est sa présentation. Oh, ben on va la laisser. Hop. Ben, il mérite absolument d'être cité. Ça vient de chez eux, tout ça. Hop, je suis toujours au milieu, moi. Je ne suis pas un des plus réputés serial killers égyptiens. Donc, je me verse du... Hein. Donc, j'ai toujours la présentation. On pourrait peut-être un petit peu l'accélérer. Ouais, on peut l'accélérer. Oh, vous en fichez. Les vampires et le vampirisme ont existé depuis longtemps dans de nombreux folklores, depuis le large Moyen-Orient et les régions nord-africaines, avant même l'arrivée de l'islam et de la chrétienté. Part 1, c'est les origines sumériennes des vampires. Mais je ne me rappelle plus son nom, c'est un nom avec des U, des T et des H et un L, il me semble. Ah ben, c'est pas Cthulhu, mais c'est marrant ça. C'est marrant. Hein, oui, j'avais pas fait le rapport jusqu'à présent. Et donc, il est noté hein, dans les écrits sumériens l'existence de ces entités-là. D'ailleurs, c'est plus ou moins, il va nous montrer peut-être quelques dessins où on voit les Sumériens, vous savez, ceux qui se baladent avec le cristal comme ça, là, plus ou moins les ailes, plus ou moins, et qui des fois. Sont opposés à un animal qui est quasi semblable à eux, enfin, une entité qui est quasi semblable à eux, sauf qu'elles ont une tête animale, d'oiseau et de chien, de mémoire. Donc, les premières créatures qui correspondent à la description moderne des vampires apparaissent dans les écrits de cette partie nord du Golfe, dans les textes d'Assyrie, dans le nord, et d'Akkadie et de Babylone, des empires akkadiens et babyloniens, dans le sud. Ouais. Ainsi que dans des documents des débuts de la civilisation mésopotamienne connue à Sumer. Les Assyriens en particulier avaient adopté les croyances de leurs prédécesseurs sumériens, incluant les croyances en deux variétés de démons, telles que avec des tendances vampiriques, les Ekimou et les Utuku. Donc il y a là une représentation, mais... Je ne saurais pas vous dire qui est qui. Les Ekimou étaient les esprits en colère de personnes mortes, mais qui n'avaient pas été enterrées, et qui parcouraient la terre jusqu'à ce qu'ils retrouvent leurs restes sous le sol, sur le sol. Non, non, jusqu'à ce qu'ils trouvent la paix. Sous le sol. Il était parfois difficile de distinguer un Ekimou d'un Utuku, mais généralement, c'était l'esprit d'une personne morte qui a été enterrée, puis oubliée. En quart. Moi, je pense, je ne sais pas, mais il y a là deux manières. Il y a ceux qui vénèrent les ancêtres et qui régulièrement, soit ils pensent, soit leur attribuent des dépenses d'énergie. Ce qui est bizarre quelque part, parce que un, ça les bloque dans leur trajectoire, dans leur course. Ils restent attachés finalement à une époque particulière, à un endroit particulier. Et puis donc, de l'autre côté, il y a les gens qui oublient, parce que justement, pour cette raison-là.
Je suppose que vous avez peut-être, vous, pas vous, hein, qu'il y a possiblement un avantage à être en contact avec des entités bienveillantes envers vous. Est-ce que ça existe, les entités bienveillantes parmi nous? Ben oui, mais fort peu, non? Toutes les autres, c'est même pas par désir profond, c'est par manque de conscience. Il y a plein de gens qui sont des vampires énergétiques, ils ne s'en rendent même pas compte, ils ne font même pas exprès, c'est leur façon d'être. Consciemment, ils ne s'en rendent pas compte. Il y a assurément, au niveau inconscient, il y a une tendance à le faire. Ça peut être d'éducation et ça peut être aussi... ben voilà, ils n'ont pas pris conscience de leur existence, de leur responsabilité, de leur réalité. Ils ne se sont pas posé les questions du pourquoi on est ici. Entre autres. Pourquoi? Oh, en cas personnel. Et en conséquence de quoi, les Utuku revenaient des mondes souterrains pour hanter quiconque ils rencontraient, cherchant à se nourrir de ces victimes. De leur côté, les Grecs avaient développé leur propre version du démon vampire mésopotamien et ils l'appelaient les Lamia. Nommé en tant que démon né en Libye et qui a terrorisé l'Europe, la Lamia, en français on ne dit pas Lamia, je crois, on dit Lami, avait la tête et le haut du corps d'une femme et le reste du corps en queue de serpent. Mélusine. Les Lamia pouvaient se déguiser, se transformer en femmes humaines. Elles dévoraient les enfants et drainaient la force de vie. L'idée que les vampires sont primairement des femmes apparaissent liées au concept que la plupart des praticiens de magie soient en fait des femmes. Par exemple, dans le folklore juif, des créatures connues sous le nom d'Estri existent. Ce sont des vampires qui ont typiquement pris la forme de femmes. Tels les djinns, il est dit qu'elles peuvent se transformer en animaux, et tels des ghouls, leurs cibles premières sont les hommes et les enfants, dont elles se nourrissent de leur sang pour survivre. Alors ghoul, on appelle aussi ça un déterreur de cadavres, de vampire. En fait, je vais vous mettre là toutes les traductions Google de ce mot. Sur de sang, bloodsucker en français, vulture, satin ou je sais pas, le satin ou le satan, non, plutôt. Un démon, un gobelin, une goule, la goule. Ah, excusez-moi, mais là, je me suis interrompu avec des accès à d'autres. On est également considéré comme des contacts de cette personne. Donc, les quatre personnes ont été placées. Parce qu'il y a une actualité qui tourne en constance. Donc, le professeur Poutillon a été libéré. Et là, il y a une super conférence qui se déroule à Stockholm. Compte tenu du fait que le taux d'amplification n'avait pas. Où il y a de nombreux scientifiques divers, mais pas que des scientifiques, des politiques, des hommes de loi, qui s'expriment et qui racontent un petit peu l'ampleur du scandale, va-t-on dire, n'est-ce pas? Bon, écoutez, vous savez, moi, sur ma chaîne Exopolitique, pour moi, tout ça manque de racines, hein, parce que l'explication après est certaine. Mais il n'empêche, voilà, on admet là, on accède là, par des biais pas du tout conspi, aux notions de base qui permettent aux gens normalement de réfléchir.
quand ils ont encore un cerveau. Mais alors, est-ce qu'ils ont encore un cerveau, hein? Par contre, après, est-ce qu'ils ont encore accès à ces informations? Et, oui, là, le sujet est plein. Bon, continue. Au-delà de 35, selon la, en fait, une étude scientifique à laquelle le professeur Raoult avait participé. Bon, il va nous rappeler tout, là. Je vous passe le truc. Donc, on reprend. Nous, on est là. Non, on est plus loin même. On est là. On est dans les vampires. Vous avez vu cette région, là? Vous avez vu ces notions communes? Ah, oui, je sais. Là, je fais un petit effort de... délucubration, hein, pour certains. Pour moi, c'est tellement clair. Ben, il s'est encore reproduit, si on peut dire, puisque c'est un peu aux origines. La diaspora, la pyramide, la hiérarchie, la trame d'interférence entre le pouvoir, les informations et le public, qui existait déjà à cette époque. On trouve les mêmes éléments, peut-être qu'on les mélange un petit peu, mais de toute façon, on les rapproche de toute façon du pouvoir. J'aime bien l'expression de toute façon. DTFS. Parce que CCD, c'est une galère. Quel drôle de lettre. Encore dans les... Non, j'en sais rien. Là. Pour une fois, j'en sais rien. Sinon, en anglais, à chaque fois qu'il y a TH, oula, theater, ah, bien sûr. Throne, oh. C'est très intéressant. Non, parce que c'est un son sifflé, sifflant. Reptilien. Vous ne vous rappelez pas le nombre de... pas d'heures, hein. J'espère, pas d'heures, que le professeur a passé sur vous pour vous exprimer, à mon époque en tout cas, à quoi ressemblait le son TH en anglais? Un son qui ne correspond pas vraiment à notre conformation buccale, d'où le fait qu'il y ait plusieurs expressions. Bon, pour moi, c'est encore une preuve, hein, mais vous savez, je suis conspi, je suis même conspi chef. Alors, c'est rigolo. On continue si vous voulez. Hein. Donc, tel chez les djinns, il était dit qu'ils pouvaient se transformer en animaux, tel une goule. Et je reprends là parce que personnellement, il est maintenant 17h32. Donc, je me suis fait un encart sur l'autre conférence, assez durable, et j'ai perdu le fil, hein, un petit peu. La seule chose qui est similaire, c'est ces interférences vampiriques où on nous pique nos énergies en nous faisant croire à des trucs qui n'existent pas et pour lesquels on vote ou dans lesquels on donne notre agrément. C'est, vous voyez, ah, un peu conspi, peut-être. C'est la psychologie conspi. La conspsychologie. Je m'en fous, moi. Tout tourne. On a tout compris sur ma chaîne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On arrive à traduire les choses parce qu'on sait ce qui se passe autour et pourquoi c'est fait, en fait. Et comment ils y arrivent à nous faire croire en ce qu'ils nous proposent. C'est le côté affligeant et c'est le côté... Maintenant, on sait pourquoi ça tourne mal.
Avec un petit effort, on va arriver à comprendre comment il faudra les virer. On sait, nous, sur ma chaîne, comment les virer. Eh ben, on s'y met à notre niveau et au niveau subtil auquel on aurait du mal à être efficace, interviennent là la FGM, Fédération Galactique des Mondes, dans laquelle il n'est point question de Fédération Galactique de lumière ou pas lumière. Non, parce que là, à mon avis, vu que c'est celle qui est associée à l'US Navy, à l'ancienne US Navy, dont je n'ai aucune idée de comment est-ce que l'organigramme a été remodelé, mais Trump a dû bosser là-dessus, ou en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle il a créé sa force spatiale particulière, là, qu'il a annoncée, les Marines de l'espace. Ils sont peut-être intégrés à la Navy, mais ils sont formés sous d'autres critères. C'est mon interprétation. C'est comme ça que je ferais, quoi. Dans un monde dans lequel j'arrive et qui est complètement attribué, rétribué, non, c'est pas le mot, dévoué contre moi politique, depuis des décennies, par le biais des Bush, des Clinton, des Obama et autres, entre autres. Et ça, c'est la partie apparente. Et ça n'a rien à voir avec une famille qui se concentrerait sur les États-Unis. Ce sont des appartenances à des clubs différents, qui sont mondiaux et qui n'ont pas de frontières. On n'oublie pas ça, sinon on ne peut pas comprendre. On n'a pas de frontières. Eux, ils ont compris que nos corps n'étaient que des substrats temporaires, physiques, locaux, à l'expression de notre volonté, si on voulait rester sur Terre. Et s'en attribuer les bénéfices. Ce qui dénote, à mon niveau, à mon avis, un blocage dans l'évolution cosmique de notre conscience, de notre âme, à rester sur cette planète-ci. Et ce qui ne devrait pas tarder à éveiller chez tout le monde, en fait, une suspicion, mais pourquoi ? Pourquoi maintenant on s'arrêterait à une seule planète? Comme terrain de mise à jour et d'amélioration de nos capacités lors de nos incarnations, parfois en 3D. Enfin bon, continue à reprendre. Les estries. On attribuait aux estries la capacité de marcher au sein même des places sacrées, telles que des synagogues ou des églises, et même d'en arriver à demander des prières à des fins de guérison, et même faire des prières à des fins de guérison. J'ai un peu du mal à y croire à celle-là. Mais pourquoi pas, vous voyez, non, elles veulent s'amender, certaines d'entre elles, pourquoi pas. Et là, j'ai du mal à ça pouvoir traduire, parce qu'il me faudrait la confirmation de celui qui a écrit le texte, comme quoi la traduction est bonne, vous voyez. C'est pour ça que je vous propose les deux, hein, quand même. Mais pour moi, c'est ça, c'est les esprits saints qui se font passer pour des esprits saints. Ah non, les esprits pas saints qui sont passés pour des esprits saints et qui profitent de l'état de soumission des pénitents et autres soumis aux religions pour les abuser. Il n'y a pas d'aspect péjoratif au nom de pénitents. L'idée de pénitence, pour moi, est reliée à l'état de purification nécessaire chez les chamans. C'est une prise de conscience d'une humilité nécessaire. Ouais, on va dire.
représente. Certains académiques expliquent que les vampires ou les ghouls dans les régions du Moyen-Orient sont juste des incarnations fictionnelles, des anxiétés socioculturelles autour de la mort, des gens autour de la mort, des tombes et bien sûr des femmes. Alors là, mais quel état d'esprit glauque. C'est catastrophique quand même. Tous ces gens-là, là. Il y a des religions où ces gens-là oublient qu'ils naissent d'une femme. C'est une catastrophe. Et à ce qui me semble, il y a des sociétés matriarcales très puissantes, notamment dans ces régions, qui sont en totale contradiction avec ce qui est dit dans les livres. Quant à moi, ça ne prouve qu'il y a quelques points sur lesquels on peut trouver les pierres d'achoppement qui nous permettent de donner un peu plus de crédit aux traductions de l'Enuma Elish, aux versions de Mauro Biglino et à d'autres versions où il est clairement admis que l'humanité est là confrontée à des entités qui les dépassent et qui abusent d'elles. Qui abuse d'elles ? Et notamment des qualités féminines. Mais c'est une catastrophe de ne pas remarquer ça aujourd'hui. Alors évidemment, il faut avoir le temps de s'intéresser à plein de choses pour faire un reliage de points, relier les points entre tous ces différents domaines. Mais tout de même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne veux pas comprendre, en fait. Hein. Sinon, je déprime. Ça signifie en clair que les gens préfèrent avoir... Ils ont cédé au côté sombre et ils préfèrent ressentir les jouissances de ces situations d'abus sur autrui que de se mettre à travailler selon les termes corrects et courtois d'une vie équilibrée et saine. Personnellement, ça m'afflige, donc je ne vais pas insister là-dessus. C'est une catastrophe. C'est infantile et au-delà de malsain, je ne tiens pas debout. C'est dû à des égrégores de phénomènes de groupe. Enfin bon. C'est bien qu'il n'y ait plus le service militaire. Pour certains d'un côté, c'est très bien. Pour certains autres, c'est très malheureux. Mais il faudrait que la situation existe encore sous d'autres noms et d'autres activités. Mais sortir les jeunes de leur contexte pendant une certaine période, sous de bonnes égides, pour les amener à goûter d'autres conditions de vie et d'autres fréquentations, c'est excellent. Quand on dit que les voyages forment la jeunesse, quand on ne peut pas voyager, au moins c'en est un. On voyage à moindre distance et néanmoins, il y a une unification des concepts avec esprit critique de chacun, juste dans la notion même, hop, tiens, ça existe. À une époque, je disais, tous ceux qui ont des devoirs d'ordre et de législation devraient avoir fait au moins un tour du monde avant de prendre leur travail. Alors, il peut être payé, hein, ça peut être les études, justement, ça. Ils peuvent être payés pour le faire. En tout cas, ne pas avoir à payer pour l'apprendre. Enfin,
On ne va pas évoluer si tous ceux qui savent quelque chose le font payer les autres pour leur donner. C'est plus du don d'ailleurs. Leur vendre. Et on ne va jamais évoluer comme ça. D'où vient cet esprit-là? Les parents, ils donnent gratuitement leur savoir aux enfants. Pourquoi ça s'arrête à un moment donné? Parce qu'il y a une compétition qui rentre en jeu et il vaut mieux que... Ah oui, non, mais attendez, là, d'où vient cet esprit? Ah, il vient de là? Très intéressant. Au-delà, entre autres. Hein. Enfin bon. Élucubration personnelle. En quart, on va dire. Et suite au tabou culturel, ces idées ne sont pas amenées dans les discussions de la journée, de la vie quotidienne. Et là, on arrive à la partie 2 de sa vidéo qui traite du vampirisme à distance. Bon, il y a assez de vidéos à propos du remote view et du contrôle de la pensée à distance mécanique, par machine, si on veut, et des influences des entités à partir du bas astral sur la partie de nous qui navigue dans ce bas astral, la partie pensée à un certain niveau. Bien. Comment dire? Il y a moyen de faire un reliage de points, de créer un léger faisceau de présomption qui va dans le sens qu'on sous-entend ici, que si on ne fait pas attention à nous, si on n'est pas bien groundé, centré, relié à la Terre, conscient à nous-mêmes, présent à nous-mêmes, voire même en double conscience, voire plus si affinité. Il y a des chances pour lesquelles, on gaspille notre vie, deux, on ne fasse pas ce qu'il devrait être fait pour nous, et troisièmement, qu'on loupe quelque chose d'assez historique qui est en train de se produire. Pourquoi non ? Alors là, je fais une petite reprise, un encart, ça n'a rien à voir. Quoique. Tout ce qui lui paraît, c'est que je suis un fou et une horrible personne. Et il va falloir que j'explique tout ça assez rapidement. J'ai eu le cas, j'anticipe un peu, judiciaire, historique. Le moins connu. J'ai eu les plus gros problèmes de jugement appelant à la haine. Alors que ce que je n'amenais, c'était que du matériel à propos de l'espionnage israélien et de sa subversion. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. J'ai eu l'État israélien monter un procès contre moi avec l'ambassadeur israélien, des députés, l'ancien ministre, toute la classe politique australienne. Et vous n'en avez jamais, jamais entendu parler ni de ça ni de lui. C'est Brendan O'Connors. O'Connor. Ça, c'est les aristochats qui me... Walt Disney, empreinte longue durée. Ah, oui, ça, c'est du durable et pas écologique. Ça s'est arrêté là chez moi. Hein. Bon, continuons. Non, ça ne s'est pas arrêté là. Il y en a de partout. Peter Pan, il y en a de partout. Mary Poppins. Et alors, ils ont racheté maintenant les Star Wars pour tout mettre ça à leur sauce.
Allez, salut. On reprend. Donc, allez sur sa chaîne. De toute façon, il est sur Brighton hein, maintenant. Hein. Il va bientôt s'en aller de YouTube. Or if you have, it's been that Brendan O'Connell is a horrible... Ou si vous avez entendu parler de ça, c'est en disant... alors qu'il était dit que Brendan O'Connell était une horrible personne. Mentally a man who's mentalement bizarre. Possible to deal with. You'll work out why, and I'll tell you why. Because most of the internet are a bunch of fucking frauds. Who... Ah, et vous voudriez savoir pourquoi? C'est parce que la majorité d'Internet est une putain de brochette de bordel. Work, as Patrick Berge kindly explained to us all on Shadowgate, we have. Qui travaille ainsi que Patrick Bergen, le nom, je ne suis pas sûr là, de Bergen, mais c'est un ancien agent qui travaille, qui est passé. Qui ne travaille pas, mais il est passé, il a fait deux, trois interviews, dont une qui traduit sur sa chaîne. Enfin, qui traduit, dont il traduit les intentions. Donc, il est passé et il va falloir qu'on revienne sur ce qu'il vient de dire parce que je parle trop, j'ai perdu le fil. Ah oui, oui, il expliquait tous les dessous du Shadowgate. Shadowgate, c'est plusieurs choses à la fois. Ah là là, c'est vraiment plusieurs choses à la fois. La dernière vidéo que j'ai vue qui en parlait, elle durait 2 heures. Ah, je vais vous résoudre ça en 2-3 mots. Si possible. Les interférences technologico- personnel, avec du personnel, de la part des services secrets et des industries de technologie de pointe de l'armée, en infiltration, de façon à orienter l'opinion des foules. Fool to cry. Thousands of direct employees. Bah, à peu près, c'est à peu près ça. Alors, ça met en jeu plein de gens qui en parlent en ce moment, qui ont dévoilé la chose, dont une demoiselle ou une madame journaliste blonde qui a fait un super boulot, dont le nom m'échappe un petit peu là. Ça va me revenir. And tens of thousands of indirect employees running channels, running multiple channels. Avec des dizaines de milliers d'employés subalternes qui ont monté des canaux, des channels, des chaînes YouTube, de façon à distribuer l'opinion, vous voyez, à distribuer l'opinion. On en a plein chez nous aussi, là, des nouveaux venus, là, qui se servent de tout, là, l'exopolitique, le projet Blue Beam, l'occulte, l'ésotérique, le New Age. Et ils déblatèrent là-dessus, alors que ça n'est pas 6 mois qu'ils connaissent ce mot-là dans leur tête. Ils sont bien loin de savoir autre chose que ce qu'on leur a dit de répéter là sur la chaîne, la leur. Et ça fait des dizaines de chaînes qui arrivent à grand renfort. Là. D'un coup, eux, ils ont 10 000, 15 000 abonnés. Quoi. Bravo, bravo. Là, je suis désolé. On dit, ça fait plus d'infos. Non, 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 vous avez vu quel genre d'infos ils vous donnent, d'où ça part, à quel point c'est limité et toujours comment c'est orienté. N'y allez pas, retournez sur la religion. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de variantes. Il y a plein de clans qui ont intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité. Ah. Comment vous dire? Non, 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 mais attention, hein. Je suis désolé, hein. C'est pas de la prétention. Ça fait 15 ans que je suis sur tous ces dossiers depuis 15 heures par jour, tous les jours de l'année. Et l'hiver, ça monte à 18 heures par jour. Il n'y a rien d'autre à foutre. Non, mais attendez. Et je ne suis pas arrivé là-dedans à 15 ans. Je suis arrivé là-dedans à 35 ans avec un petit peu des bagages déjà. Un petit peu.
Et je ne cherche pas la notoriété, je l'ai eu. Je l'ai eu au théâtre, je l'ai eu à la télé, je l'ai eu au cinéma. Enfin, je ne l'ai pas eu, la notoriété, non. Je suis passé à l'écran. Je suis passé sur les ondes. Non, voilà. J'ai eu mon quart d'heure de gloire, quoi, si on peut dire. Ouais, ouais. Et ça sert non seulement à rien, mais c'est même nocif. Non, rien à voir. J'ai rien à fiche, c'est pour ça, là, je ne me fais pas beau, là. Je vous parle en direct de brut franco. Rien à fiche. C'est pas ça qui compte. C'est pas l'emballage qui compte. C'est l'information. Vous allez comprendre ça un jour. Enfin, vous qui me regardez, oui, vous avez compris. Mais ils vont comprendre.